à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Paloma Créa. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour la revue du fascicule numéro 28. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et donc je vous laisse avec la vidéo tout de suite. Bon visionnage. C'est parti. Fascicule, on a un demi-pain de fimo blanc numéro 0 et on a 3 cannes fleurs, donc une jaune, une rose et une bleue. Je vous ferai un close-up tout de suite. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc, dans ce fascicule, pour les techniques, on a comment créer des bagues tout en fimo et des bagues bombées, plates, en relief, des bagues anneaux, bagues bombées, en relief, tout en fimo et avec des supports. Un cadre décoré avec les cannes qu'on a dans le fascicule. Un bracelet manchette ethnique. Des pins faites foraines, donc ça m'a donné des idées, ce dont je vais vous parler juste après. Un collier japonais avec la plaque de texture Japan qu'on a déjà vu dans un précédent numéro. Un porte-manteau aquarium. La broche gourmandise avec plein de bonbons, des macarons, etc. Et la créatrice du jour, c'est Fima Croquet. Donc, elle fait des petits personnages, des petites gourmandises, des petits objets, des petites fleurs, plein de choses. Donc, voilà pour la créatrice. Et dans le prochain numéro, et ben vous verrez dans ma prochaine revue. Voilà, je sais, vous n'aimez pas quand je fais ça. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc, je voulais vous parler d'une petite chose. Donc, c'est une proposition de tutoriel. J'aime bien faire ça. Vu que il y a eu les foires de mars dans ma ville il n'y a pas longtemps, ça m'a donné plein d'idées de création. Donc je voulais savoir si ça vous intéresserait des créations sur le thème de la fête foraine dont il y a aussi dans le fascicule. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Shoulder, pull the sheets right off the corner of that mattress that you sold.